mes amis, derrière le scandale de Balthazar et ses 400 vidéos qui ont fuité, il y a des familles entières en train de s'effondrer. Imaginez la colère, l'incompréhension. Ce ne sont pas seulement des vidéos, ce sont des vies exposées, des enfants qui voient leurs parents au cœur du scandale, des familles entières qui se voient dans l'obligation de gérer des traumatismes publics à vie. Ici, on ne parle pas que d'un simple scandale. On parle de vies brisées, de mariages détruits, d'enfants qui vont grandir en entendant ces histoires. Imaginez une seconde, la femme de Balthazar, celle qui pensait être sa seule partenaire. Elle se retrouve humiliée, trahie publiquement et doit affronter les regards, les jugements. Elle est la première victime de cette affaire qui touche son mari, mais aussi son propre cercle de confiance. Mais ce n'est pas tout. Pensez aux maris des femmes impliquées, ces hommes qui avaient confiance en leurs épouses. On parle du directeur de la sécurité présidentielle, du procureur général, des hommes avec des responsabilités énormes qui doivent maintenant gérer leur propre honneur bafoué. Comment vont-ils se reconstruire après un tel choc? Comment pardonner ou tourner la page quand le monde entier connaît les détails les plus intimes de leur vie? Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Bromance TV, la chaîne du Japap et du Béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour donner les infos là sur nous et dur. Oui. Balthazar, oui. Donc, Balthazar a la maladie des quatre lettres. Il passe le temps à distribuer. Ça n'allait pas m'étonner, dire, mais un bel homme comme ça, là, il est toujours là avec les vieilles femmes. Tu es en train de mourir les femmes des gens. Oui. Donc, il paraît qu'il avait déjà eu plus de 200 plaintes parce qu'il a distribué des maladies aux gens. Les plaintes n'ont pas abouti. Donc, je te donne... Donc, il donne la maladie à la femme du secrétaire d'État. Hein? Du secrétaire d'État. Elle pardonne à son mari. Hein? Son mari pardonne à la Chisa. Attends, il donne encore à la femme de son oncle qui est enceinte. La femme de son oncle donne à son oncle. Attends, il prend encore, il part, il donne à la femme de son frère parce qu'il a mouru la femme de son frère. La femme de son frère prend, elle pardonne à son frère. Et son frère pardonne à ses chises avec un bedon. Mon frère, vous connaissez la quantité de maladies qui circulent en Guinée actuellement? Non! On veut plus de combien de femmes? Plus de 200 femmes. 400 vidéos, parce qu'on dit que 400 vidéos, mais il y a des femmes que ça se répétait. Hmm? Vous savez combien de maladies celui-là a déjà répandu? Combien de malades? Vous êtes là, vous êtes. Et voilà les filles, oh, libérez Balthazar. Elles sont là, il faut. Oh, bah, l'autre prend la photo, Balthazar. Eh bien, oui, ok, pas de problème. Va prendre ta maladie. Parce que vous pensez, quelqu'un qui a ce statut-là, tu pars avec les femmes, tout le monde, viande, mon frère. Ça veut dire que tu avais l'intention de contaminer quelque chose. Tu avais l'intention de faire quelque chose de pas très. Mais mon frère, aïe, mais ce qui me retient sur Balthazar, c'est son jeu, de comment il mouille avec la salive, mon frère. Hein? Aïe! Aïe, mon frère. Non, ça c'est le geste de l'année. On va baptiser ça le geste de l'année. Hey! Yeah! Mami, pi! Papa, papa. Qui a besoin de lubrifiant quand il y a la salive de Balthazar. Hey! Balthazar va finir avec moi. Yes! Le geste est là. Ouais. On dit quoi? Les rumeurs que quoi? Coach Amon Chic, Stéphanel, Emma Loès, Carmen Sama. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas encore vu cette vidéo qu'on dit que... Les gens disent que ça circule. Je n'ai pas encore vu. Moi, ma personne que peut donner, je dis non. Je suis que non. Elle n'est pas dans ça.
Je suis sûr que cette personne-là n'est pas dans ça. C'est qui même? Je ne vois personne là. Même comme je respecte ma coach. La personne que je respecte le plus parmi ceux qu'on a cités là, entre Stéphane, Emma Loès, Carmen Sama, coach Amonchi, je respecte plus coach Amonchi. Mais je reconnais que coach Amonchi, question agent. Hein. Tu as vu les vidéos où, sur TikTok, quand un enfant sort, il dit qu'il est aussi. Il a un peu l'argent là. Elle dit, donc tu peux me donner que l'argent. Donc elle dit, comme ça. Il dit, ah, la coach, si avait l'argent, la coach, si voit l'argent, tu dis, voici 100 millions. Tu vois, si 50 millions, la coach va dire, hein? Tu as dit qu'il y a combien là? La coach va te dire, prends-moi un mois. Je suis. C'est ma coach. Je l'aime bien, mais je connais son faible pour l'argent. Vous avez suivi l'histoire que une fille avait raconté que, oh, elle a volé un argent là, elle ne sait pas comment. Là, elle ne sait pas si elle pouvait aller remettre ou bien c'est que. La coach a conseillé que non, viens d'abord en Côte d'Ivoire, voilà, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens d'abord te reposer, après on va réfléchir. Un père, on a dit un père, coach, ya, yeah, ya, yeah. Comment tu peux dire? Aïe! Mais parmi les quatre noms là, c'est elle-même qu'elle peut encore respecter, qu'elle peut encore dire que peut-être il y a. Mais le reste, la Stéphanelle, vendeuse de piments hors pair, Emma Loès, vendeuse de piments, Carmen Sama, vendeuse de piments, mon frère. C'est, donc, ça ne m'étonnerait pas. Je n'ai pas vu les vidéos, je n'ai pas de preuves. Mais ça ne m'étonnerait pas. Donc, ce n'est pas comme si je veux voir. Elle va dire, hein? Non, ça ne va pas me surprendre. C'est comme, me surprendre, comme vous avez me dit que, il y a une vidéo où, peut-être, Lady Ponce est en train de vendre le piment à Batassama. Je veux dire que, mais, Lady Ponce, ce n'est quelque chose de normal pour elle, c'est comme dire bonjour. Oui. Lady Ponce, vendre le piment à Batassama, c'est comme dire bonjour à quelqu'un. Mami Pima, il y a les gens que non. Appelle, je vais te dire que non, je doute. Mais tu vas m'appeler quelqu'un comme Lady Ponce, même peut-être Mani Bella. Tu me dis que, elle a vendu le piment. Lady Aka, raconte autre chose, mon frère. Tu es en train de m'informer sur quoi? Je ne connaissais pas le Gbéré, mais ton Gbéré là ne m'informe pas. Parce que je connais comment ces gens-là sont. Donc tu n'es en train de rien m'informer là. Oui, tu me dis Lady Ponce. Hmm? Donc, c'est que quand je dis Stéphanelle, je dis. C'est ça, monsieur. Emma Loès. Carmen Sama. C'est comme ça. On va vous dire que. Oh, MK Michel, Amoura, ça va vous surprendre. Vraiment. Vous aimez être. Je ne sais pas si vous êtes vraiment naïf ou bien vous faites comme. Vous faites semblant d'être naïf. Ça va vous surprendre. J'ai pas vu les vidéos. J'ai pas encore vu. J'ai vu les vidéos à Batassa avec les autres femmes là, oui. La fille du président, les histoires comme ça. La fille du. La femme du secrétaire, la femme de son oncle qui enseigne. J'ai vu tout ça. Mais pour les stars là, j'ai pas encore vu. Oui, je ne peux même pas encore affirmer. Mais ça ne peut pas me surprendre. C'est ce que je veux donc vous dire. Ça ne peut pas me surprendre. Batassa. Quelqu'un a un poste. C'est d'abord un bel homme pour commencer. Oui, c'est un bel homme. Et puis, il a de l'argent. Il a une position. Mais quand je dis, il est tel en Guinée. Oh, tu vois, les vendeuses de piments, là, aiment alors les gens comme ça jusqu'à. Vous aimez les gens du gouvernement. Oui. Et ces gens du gouvernement qui ont toujours les maladies, partout, c'est eux. Hein? Ils ont toujours les petits maladies. Je ne comprends pas. Oui. Et ils ont les maladies, même plus que les chanteurs du Mbolé. Vous pensez que je blague? Et dès que c'est un ministre, ceci, les sugars que vous. Ils ont les maladies plus que les Mboleurs du quartier là. Hein? Qu'est-ce que le Mboleur va avoir? Un petit chopal. Mais eux là, ils ont les vrais. Les quatre lettres. Là, les quatre lettres, les trucs. Et mon frère. Pima. Hey. C'est ça que les femmes aiment. Non! Le ministre tel, tu vois, ils sont propres là. Ouais, tu vois rien que la chemise,
elle repassait le genre que ça peut te couper même. La chemise est tranchante, cintrée, tiens, il sort de la voiture costaud, mais plein de maladies dedans. Plein. Le dedans là, c'est pourri. C'est comme ça. Mais tu vois, Molay qui est au carrefour, ils tapent les boîtes au carrefour, là, ils chantent, mon frère. Mieux, je vous dis. Et les gens, sans que vous partez faire viande avec eux. Yes. Balthazar. Balthazar, l'homme de l'année. Non. Est-ce qu'il dépasse même Pidi? Non, Pidi le dépasse. Pourquoi? Parce que lui, chointe seulement les stars. Pidi a chointé les stars. Donc, celui-ci n'est pas mal. Hein? Son palmarès n'est pas mal. Oh. Oui. Son palmarès n'est pas mal. Ouais. Chointer les femmes des ministres, des enfants, du président et tout, mon frère. Oh, hey, la famille. Je te prends à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa prompte. Surtout, ne mettez pas les organes.